Bienvenue encore une fois sur Webster 7 Languages. Jodi a nous pral continuer ensemble avec livre portugais nous parce que nous est arrivé dans page 23. Pas oublier que nous te boyon exercice qui très important dans page 23 et gain pile en pile moun qui te rivé vraiment fait exercice ça. Sou qui ça exercice ça te basé? C'est juste ou tu pral compléter phrase ça yo par exemple. Pai, do meu pai, é meu avô. Ou é lá, c'est à dire papa, papam, c'est grand-papa, c'est ça que vous avez fait dans l'exercice. Il y a plus que 100 personnes qui font l'exercice là, mais nous choisissons deux premiers personnes qui pi bien fait lieu pour nous présenter. Nous gagnons un autre Joseph qui gagne 6 jours depuis le fait l'exercice là. C'est à dire que le complète exercice là net. Li sorti depuis là, depuis au pays, d'où mais au pays là, et puis il rive dans Elian juste dans fin. C'est-à-dire nous féliciter Enode parce qu'elle fait un très 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 bon travail. Ça c'est un exemple de un bon élève qui a suivi un cours depuis le commencement. Ça lui montre que le commencer gain capacité. C'est seulement qu'on soit capable prouver que commencer à apprendre. C'est là que me bail devoir et puis ou même ou rive fait devoir. O pai do meu pai é meu avô. Ué, papá, papam, c'est grand-papam. O irmão da minha mãe é meu tio. Ué, c'est-à-dire, frère, mamam, c'est tonton. O irmão da minha mulher é meu cunhado. Frère, madame, ué, c'est bofrem. Os filhos do meu tio são meus primos. Petit totomio, c'est cousin. A irmã do meu marido é minha cunhada. Sœur Marim, c'est belle-sœur. A irmã do meu pai é minha tia. Ué, sœur papam, c'est ma tante. A mãe do meu pai é minha avó. Maman, papam, c'est grand même. Eu sou filho da minha mãe, moi c'est petite mamam. Nós somos netos do nosso avô, c'est-à-dire nous c'est petite grand-papa nous. Eles são sobrinhos da tia deles. Yo c'est neveu ma tante yo. Ele é genro da sogra dele. Lycée, beau-fils, belle-mère. Est-ce que ouais? C'est-à-dire, un autre prend sans lui fait ça très bien. Seulement, avant de supposer mettre un accent circonflexe pour t'écrire le même genre, ça, bon, ça son tiré, ouais. Félicitations, un autre. Nous te prenons deuxième monde, on a juste les phrases liées. Pas besoin de traduire encore parce que nous avons traduit, non pas un autre là. Bon, moi, pense un autre, c'est une fille. Parce que non, ça, on t'y assemblé avec fille. C'est-à-dire, fille, on t'y montré, on à l'honneur là. Bon, moi, deuxième, non, si son garçon, bien, si son fille. Bon là, nous gon garçon, ça dit garçon yo même yo pas dormi dehors parce que garçon depuis on côté garçon là, li prouve que là. Ouais là c'est dans Dieu Caleb Jean-Marie. Nous pral li pas dans Dieu fio, c'est parce que nous pas besoin traduire, nous traduire déjà et ceci depuis dans classe numéro 90. Il y a des bagages qu'on connaît déjà. Mais nom est Dieu Fen Jean-Marie. OK, bon nom c'est Dieu Fen Jean-Marie. Ou pai do meu pai é meu avô. O irmão da minha mãe é meu tio. O irmão da minha mulher é meu cunhado. Os filhos do meu tio são meus primos. A irmã do meu marido é minha cunhada. A irmã do meu pai é minha tia. A mãe do meu pai é minha avó. Eu sou filho da minha mãe. Nós somos netos do nosso avô. Eles são sobrinhos da tia deles. Ele é genro da sogra dele. Seulement tie ou gena pra du fen nan. C'est seulement accent yo. Ou là, c'est tio là te supposé mettre, mais elle mettait accent circonflexe. Ouais, c'est-à-dire seulement problème ça gagne. Tant qu'on main là te supposé mettre tio là, mais elle mettait accent circonflexe. Mais ça pas trop gros problème parce que nous ouais que c'est et ouais ça que le fait le ca corriger. Mais logique là, très 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 bon. On y a qui ça passe, nous toujours continuer dans page 23.
Dans la page 23, nous avons l'autre devoir que nous pourrons faire pour moi. Mais devoir ça pour nous arriver à faire, nous supposons qu'il y a une différence entre le verbe saber et le verbe connaître. C'est-à-dire, saber signifie connaître et puis connaître signifie connaître. C'est deux verbes qui ont un pile problème. Seulement en français, saber signifie savoir et puis connaître signifie connaître. Mais en créole, tous les deux signifient qu'on est. Qu'on y a là, nous pral baser sur vidéo que nous pral garder à pour nous kawè différence qui gagne entre saber et connaissel. Et puis après, nous pral faire de voir ça pour moi. Avant que nous garder vidéo que nous pral passer, juste pour nous kawè différence entre saber et connaissel, même juste ba nous yon ti explication. Saber est intellectuel. Connaissel est pratique. C'est-à-dire, saber, c'est un bagage qui est plus intellectuel, c'est-à-dire un bagage que vous apprenez, mais connaissel est plus pratique, c'est-à-dire un bagage qui paraît devant, qui juste rete dans la tête, c'est-à-dire un bagage qu'on connaît, un monde qu'on reconnaît, etc. C'est-à-dire que nous prenons un exemple dans la phrase. Et on sait, c'est un nom. Là, moi connais non, c'est-à-dire que moi apprends non, ou te dis moi li vin rete nan tèt moi. Eu sei qual é a capital da Inglaterra, c'est-à-dire moi connais capital Angleterre là, c'est-à-dire moi connais qui ça li a dit moi connais non, moi apprendre ça depuis l'école, l'école, moi connais capital Angleterre, mais pour côté me visiter déjà non, même connais le nom, moi connais. Eu sei qual é a capital da Inglaterra. Ça veut dire un bagage qui intellectuel. Eu sei onde fica a padaria mais próxima. A dit moi connais qui côté boulanger plus près à yé. C'est-à-dire non sens son bagage que m'apprend de cœur. A dit moi connais dans tête, moi connais tout chemin yo. Konye nou pral wè phrase ki gen konye sel. E yo konye sou vose. Wè mwen rekonnen tou. Mwen konnen ou nan sens ke mwen rekonnen tou m'abitye wè ou. E yo konye sou a capital da Inglaterra. Sa e di la ma le la. Mwen konnen ale dan zon sa. E di mwen konnen mwen ale nan peyi sa deja. E yo konye sou a padaria mais prosima. La mwen just konnen boulanger. E di mwen pase devan deja mwen wè boulanger. Wè, sa e di ke e just pou nou ka fè diferans ant saber e konye sel. Sa e di saber sou bagay ki intelektuel yon bagay wapran. Konye sel sou bagay ou just konnen yon bagay ou just wè. Konye nou pral wè yon ti video just pou nou ka fè diferans ant saber a konye sel. Trè bien. E pi apre nou pral fè de vwa sa pou mwen nap voyel nan kon commentaire là et m'a corrigé tout devoir ouais ou pral faire entre saber à connaître celle là il dit qu'on pral lire ça et puis tout ou juste ouais est-ce que c'est saber pour mettre ou bien est-ce que c'est connaître celle pour mettre pas oublier là il y a un mot qui c'est syntaxe c'est un bagage qui est dans grammaire c'est-à-dire tant que c'est grammaire son bagage qui a une relation avec grammaire on nous garde vidéo après pour nous faire devoir pour moi. Bienvenue encore une fois sur le canal Webster 7 Languages. Alors, moi invité ou même qui c'est un étudiant canal là, qui toujours sur vidéo nous yo, ou bien ou juste t'a aimé apprendre parler portugais, moi invité ou ka inscrit sur canal là parce que à travers inscription là, ça prouve nous que ou remet vidéo yo et puis comme ça tout ou joindre plus vidéo encore pour qu'arriver apprendre portugais. Jodi hein, nous pral enseigner deux verbes qui baillent en pile problème à tout le monde capable d'apprendre parler portugais. Yo. Verbe ça c'est verbe saber ensemble avec verbe connaissel. Qui ça verbe saber signifie? Verbe saber signifie savoir. Et puis tout verbe connaissel signifie connaître. OK? Konya nous pral commencer avec conjugaison de verbe ça. Verbe saber en portugais, conjugaison au présent c'est eu sei, você sabe, ele sabe, ela sabe, nós sabemos, vocês sabem, eles sabem, elas sabem. Et puis tout, verbe connaître qui c'est conhecer, conjugaison au présent c'est eu conheço, você conhece, ele conhece. Ela conhece, nós conhecemos, vocês conhecem, eles conhecem, elas conhecem. Konya la nou pral pati nan diferans ki genyen ant verbe saber et verbe connaissel. Verbe saber ou ka itilize l pou tout enfòmasyon ki ou genyen ansanm avèk
si ou genyon capacité pour faire un bagay. Sou genyon information sou yon bagay, ou utilisez verbe sabel. Sou gen capacité pour faire yon bagay, ou utilisez encore verbe sabel. Verbe exemple, nous parle bay exemple comment que nan ki phrase par exemple ou ka utiliser verbe sabel. Qui c'est verbe savoir. Si par exemple ou genyon capacité pour faire yon bagay, ou ka utiliser jam diyan ou utiliser verbe sabel par exemple. Ou di eu sei cozinhar. Ça veut dire ou kon fè manje. Par exemple, ou pral nan yon kou, ou besoin di ke ou kon ore lan, sa son information ou gen. Ou ap di eu sei ou horario. Eu sei ou horario. Ça veut dire ou konnen ore lan. Konya nou pral bay exemple ansanm avèk verbe konyesel. Verbe konyesel ou ka itilize l pou jis di yon bagay ko konnen. Par exemple, ou konnen yon moun, ou konnen yon adres. Verbe konyesel lan ou ka itilize l pou di ke ou konnen yon moun, ou konnen yon adres, ou bien ou konnen yon situasyon. Par exemple, sou ap di ou konnen yon moun, e ou konye sou minyaman yon. Verbe konyesel lan. Par exemple, ou ka itilize l pou bay yon kote ko konnen. Par exemple, e ou konye sou a eskola. Mwen konnen l'école lan. C'est-à-dire que c'est ça c'est yon zone on côté on bagay ko konnen. Ou di e ou konye sou a eskola. Ou ka itilize l pou di yon moun ko konnen. Par exemple, e ou konye sou Roberto. C'est-à-dire que ou konn Roberto. Comprenn? C'est-à-dire que différence gen entre verbe sabel et verbe konyesel pour nous ka conclu c'est que verbe sabel ou utilize l pour ka parler de yon connaissance que ou gagne yon capacité yon habilité ko gen la kayou avec yon information que ou gen nan moun et puis tout verbe konyesel lan ou utilize l pour jusqu'à di yon zone ko konnen yon moun ko konnen ou bien en situation que ou au courant de li. OK, konya mwen invite nou tande brésilien ou kap conjuguer verbe sa yo au présent. OK, eu sei, você sabe, ele sabe, ela sabe, nós sabemos, vocês sabem, eles sabem, elas sabem. Eu conheço, você conhece, ele conhece, ela conhece, nós conhecemos, vocês conhecem, eles conhecem, elas conhecem. Mwen souhaite que vous regardez vidéo ça, ou rive comprendre et ceci ou pral faire devoir ça pour moi et puis tout ou voyer l'en commentaire là. Mwen souhaite que vous partagez vidéo ça zanmi ou prend son pour bien regarder parce que ou commencer avancer dans livre là et ceci. Si ou même premier jour gain de pour regarder vidéo ça, allez depuis le commencement, depuis ou papa dit parce que nous gain dans 90 ou en retard. Non, chaque monde gain l'heure pour commencer, chaque monde gain niveau pa yo. Allez depuis la première vidéo yo et puis tout pour juste arriver dans dernier ça comme ça ou ap gen un bon niveau dans l'anglais. À la prochaine.